gauche européenne est une coordination de partis de gauche européens. Il y a 35 organisations au total. Donc aujourd'hui, je suis avec Nora Garcia pour vous présenter cette journée très importante, cet événement très important pour nous. Je lui laisse la parole pour qu'elle puisse nous présenter ce que nous allons faire. Merci beaucoup, Félix. Merci à tout le monde d'être présent avec nous, à nos invités, à toutes les personnes qui nous regardent également. Vous le savez, cette réunion est diffusée en deux langues. Donc, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de la PGUE et choisir la langue que vous désirez écouter. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. C'est un événement de grande importance pour la gauche européenne, le PGE. Nous allons parler de la journée de la libération africaine. Et pour cela, nous aimerions que ce soit un moment d'échange, de débat, d'analyse, de réflexion quant à l'avenir pour construire vraiment une alliance anti-impérialiste. Aujourd'hui, nous voulons tisser des liens entre toutes les régions de notre perspective de groupe de travail avec une perspective qui soit vraiment anticolonialiste, anti-impérialiste, réfléchir ensemble à la façon dont nous pouvons œuvrer à mettre en place un monde de solidarité, de paix et de justice. Donc, pour ce faire, notre événement sera composé d'interventions qui nous viennent de partout dans la région africaine. Mais avant cela, nous avons une présentation que nous allons entendre de la part de Maïté Mola et de Kwesi Pratt. Ensuite, nous pourrons entendre de très importantes interventions, contributions, et nous conclurons, nous l'espérons, cette réunion grâce à des pistes pour l'avenir pour cette équipe entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous d'organiser cet événement, d'en apprendre beaucoup de vous et également de se rappeler de l'histoire de cette journée de la libération africaine. Merci beaucoup. Alors, Maïté Mola. Bon, ça va, mais ce n'est pas magnifique. Mais en tout cas, pour moi, c'est très, très important de vous dire que, comme responsable d'international du Parti de la gauche européenne, mon nom est Maïté Mola, vous le voyez là. Et je dois vous remercier absolument aux intervenants et intervenantes que vous êtes là. C'est authentiquement pour nous très important d'avoir cette possibilité de faire quelque chose, pas seulement théorique, analytique, je ne sais pas, comme toujours, quelles sont les grandes analyses et tout ça que nous devons faire, mais aussi avoir un espace pour interchanger, pour faire une chose d'appui, et pas seulement au continent africain, sinon au monde en général. Parce qu'appuyer à l'Afrique, c'est appuyer à l'Europe, c'est appuyer à l'Asie, c'est appuyer à l'Amérique latine. Je voudrais dire aussi que je remercie beaucoup à Nora et à Félix pour son travail, mais aussi à Piera. Et sans elle, on ne pourrait pas être aujourd'hui là, faisons ça. On doit comprendre toujours le rôle des travailleurs et des travailleuses, surtout quand ils sont si préparés comme elles, et aussi aux interprètes, que pour eux, c'est très difficile toujours, quand ils sont là, pour faire ça. Bon, en tout cas, tous et toutes qui nous sommes là, nous sommes des camarades. Et nous sommes des camarades qu'à partir de 1963, qui s'est créé le jour de l'Afrique, nous travaillons ensemble. C'est un sujet fondamental pour construire la solidarité internationale. Et surtout, moi, je voudrais dire très clairement que l'Afrique, c'est un continent passionnant. Du Maghreb,
Nous avons le Maghreb dans le nord, la Méditerranée, l'Atlantique, jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est un continent absolument passionnant, avec beaucoup d'espaces différents. Un continent, bon, l'Europe qui est beaucoup plus petite, mais même a des langues très diverses aussi. C'est très complexe, mais l'Afrique, c'est un continent qu'on doit réfléchir beaucoup. Mon français, comme vous savez, ce n'est pas magnifique, mais dire comment on peut comprendre qu'un continent comme l'Afrique peut continuer à être l'endroit où le capitalisme, où les grandes multinationales continuent à lutter pour avoir tous les premières matières, à essayer d'avoir tout ce qu'on peut. Je vais dire le mot voler, parce que je ne sais pas quel mot utiliser, là-bas. Et comment on peut continuer dans ce monde bipolaire, à ce moment-là, c'est bon, unipolaire, je ne sais pas si dire bipolaire, comment c'est possible de continuer à être dans une situation comme ça avec un continent comme l'Afrique. Je crois que nous devons, dans notre position, dans ces cas-là, européenne, dans mon cas européenne, de dire comme nous sommes tout le temps en train de parler comment on doit améliorer toute la question de l'environnement, comment on doit améliorer la question des femmes, la question raciste, la question de la solidarité. Regardez l'Afrique, ça nous fait du bien parce que ça c'est un exemple très bon pour le faire parce que l'Amérique latine, c'est vrai que c'est un exemple intéressant, mais c'est vrai que l'Afrique souffre encore, ce qu'on a fait avec les esclaves, avec tout ce qu'on a fait, et les colonialistes, pas seulement en Afrique, sinon ce qu'ils ont fait en Amérique latine, et tout ce que les peuples ont dû souffrir à cause de l'Europe. Mais le capitalisme n'est pas bête, alors on sait. Toutes les questions, comme j'ai dit avant, des matières, de l'environnement, parce qu'on dit en Afrique, on a des problèmes avec l'eau. Mais pourquoi on a des problèmes avec l'eau? On a des problèmes avec l'eau parce qu'on sait ce qu'on fait avec tout ça. La question de la pêche, toutes les questions que nous devons travailler aussi et surtout penser aux syndicats en Afrique. Et dans les divers pays que j'ai eu la chance, et au Maghreb, au Sud, de connaître les syndicats, ça c'est très important de travailler avec eux. Et évidemment avec les partis politiques de gauche. Parce que l'unique formule pour avoir un autre monde, ça doit être basé que ça soit une solidarité internationale tous ensemble. Alors, la gauche, les gauches, pourquoi pas? Nous savons ce qui se passe à Guinée équatoriale, ce qui se passe à Burkina Faso, ce qui se passe au Soudan, terrible. Mais on sait aussi ce qui se passe en Europe. On ne va pas donner des leçons ici à personne. Alors, je crois que la position de l'Union européenne est horrible avec la question des migrations. Ça, c'est un désastre complet, ce qui est en train de se passer, et surtout avec les gouvernements et d'extrême droite. Alors je crois que si toutes et tous nous pouvons continuer à lutter ensemble, à construire encore plus de liens, si c'est possible construire des liens avec toute la solidarité internationale qu'on peut faire pas seulement entre l'Afrique et l'Europe, je crois qu'on peut assurer que ne recommence pas le néocolonialisme, que ce n'est pas à ce moment-là de l'Europe, on sait d'où vient, que c'est un pays qui s'appelle États-Unis fondamentalement. Alors moi, je pense que nous devons rêver d'avoir un monde tout à fait différent, avec des personnes égales et tous les continents étant ensemble. Alors ça, c'est ce que je pense, que le jour de l'Afrique, ça doit être un jour internationaliste pour être tous ensemble et tout ensemble pour construire un monde différent. Merci.
Merci beaucoup, Maïté. C'était une belle première intervention, pleine d'énergie. Évidemment, nous sommes là pour travailler ensemble, pour nous concentrer sur ce que nous pouvons réaliser de manière pratique, pour tisser ces liens. Et maintenant, nous allons entendre Kwesi Pratt, secrétaire général du mouvement socialiste du Ghana. Et c'est une personne qui a beaucoup étudié, qui est née au Ghana et qui va nous parler de l'histoire, du présent et comment atteindre un meilleur avenir. Merci, Kwesi. C'est un plaisir de prendre la parole dans cette conversation. J'ai le bon espoir que ceci nous mènera à une situation dans laquelle nous pourrons commencer à travailler ensemble et à façonner l'avenir afin d'augmenter notre internationalisme parce que ce qui nous touche, touche également les personnes d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie. Cela doit être compris comme faisant partie de la construction de la solidarité internationale et de la confrontation du capitalisme dans ses formes avancées d'impérialisme. On m'a dit de parler en particulier de la conférence africaine de 1958. C'est une conférence évidemment importante, une conférence qui a réuni de pays nouvellement indépendants sous un mouvement de libération nationale. Nous célébrons la paix, la libération dans toute l'Afrique, mais cette conférence elle-même n'était que le résultat d'une histoire de lutte d'un mouvement panafricain qui s'était développé dans tout le monde bien avant cette date. Et en particulier, c'était la suite de la conférence de 1945 à Manchester. Et en 1958, lorsqu'on parle de 1958, on ne peut pas ignorer la conférence de Manchester de 1945 parce que la conférence de 1945 était vraiment la base de ce qui a permis d'aller de l'avant et de dicter ce qui allait arriver en 1958. Il est important de se rappeler en 1945. C'était le premier congrès panafricain qui a permis de réunir les leaders du continent. Et c'est également la résolution finale du congrès de 1945 qu'il faut mentionner. Le congrès, en 1945, a décidé que nous devions œuvrer ensemble, coopérer, où que nous trouvions, que ce soit sur le continent ou pour les membres de la diaspora. Nous devions travailler ensemble pour célébrer la libération nationale. Et il a également décidé que les victoires du mouvement de libération nationale n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait aller plus loin pour libérer le continent africain, son développement politique, économique, son éducation. Il a également décidé à l'époque que nous avions une responsabilité de mettre en place le socialisme. Et la dernière résolution a souligné le besoin pour les peuples africains de se reconstruire sous la bannière du socialisme pour atteindre des objectifs plus larges du mouvement d'indépendance. Dans cette résolution, et c'est significatif, c'est la première fois qu'on a vu le mot « unir ». Donc, l'esprit nationaliste était clairement visible. Il était intéressant de voir que de 1945, lorsque Nkrumah a quitté Manchester et est venu au Ghana pour devenir secrétaire général de la Convention unie, eh bien, il est significatif de dire que il ne voyait pas la libération en tant que fin. Ça ne faisait que partie du projet continental. Et il a vraiment vu les efforts nécessaires pour défaire le colonialisme. Ça devait être le socle de l'accélération du développement national dans toute l'Afrique. C'est tout à fait important de mentionner que Georges Parmoine et d'autres
des révolutionnaires, ont joué un rôle actif dans les efforts pour récupérer le pouvoir aux mains des administrations colonialistes. Le 6 mars 1957, Nkrumah a déclaré clairement que l'indépendance du Ghana n'avait aucun intérêt si elle n'était pas liée à la libération de tout le continent africain. Ça date de 1957, c'était lié à la conférence de 1945, et cette déclaration voulait vraiment utiliser le Ghana comme base qui permettrait de libérer toute l'Afrique grâce à tous les révolutionnaires en Afrique à l'époque. Il est également important de mentionner qu'avant cela, d'autres dirigeants en Afrique de l'Ouest avaient formé une union de l'Afrique de l'Ouest qui était très active dans le travail de plaidoyer pour la libération du Libéria, du Niger, mais de bien d'autres pays. Tout l'Ouest de l'Afrique en tant que base pour la suite des libérations du continent. C'est également important de se rappeler ceci. Lors de la conférence de 58, avant celle-là plutôt, il y a eu une conférence en 57 des États indépendants d'Afrique. Et je pense que lors de cette conférence, on a vraiment mis le ton pour la réunion de 1958 et le programme pour celle de 58. D'ailleurs, lors de la réunion de 1958, la conférence, les participants venaient de 28 pays. Et ils se sont tous réunis en se rendant compte du besoin qu'il y avait de coopérer pour combattre le colonialisme et le besoin également de lutter contre le capitalisme. Évidemment, les objectifs étaient clairs. Il y en avait trois. Un de ces objectifs était celui-ci. Le peuple africain devait être capable de choisir leurs propres dirigeants. Parce qu'avant cela, les dirigeants colonialistes n'étaient pas choisis par les Africains. Par exemple, le gouverneur général était choisi par la reine d'Angleterre au Ghana. Et il ne répondait qu'à la reine d'Angleterre, à l'établissement anglais, aux Britanniques. Donc évidemment, un des objectifs de l'indépendance, vraiment, c'était de mettre fin à l'arrogance de l'impérialisme des colonialistes en décidant nous-mêmes qui est notre dirigeant ou qui ne le sera pas. Le deuxième objectif était clairement que les Africains puissent choisir le type de société qu'ils voulaient construire. Nous voulions décider quel type de société nous voulions mettre en place pour nous-mêmes. Et le troisième objectif, évidemment, était pour nous de posséder nos propres ressources. Les ressources intégrées dans nos sols, nous devions les posséder et être capables de les exploiter nous-mêmes au bénéfice de nos peuples. Et ces ressources sont immenses. On parle ici d'or, de diamants, d'uranium, de différents métaux, donc des ressources énormes. D'ailleurs, Nkrumah, dans son livre, déclare que l'Afrique représente 50% des ressources du monde et il ne faut pas le sous-estimer. Donc, une partie de la lutte pour l'indépendance était simplement de s'assurer que nous possédons ces ressources et que nous les exploitons pour notre propre bénéfice. Alors, évidemment, cette conférence de 1958 a été peut-être... a voulu développer ses efforts dans toute l'Afrique. Et des pays sont devenus indépendants. En 10 ans, ça semblait très clair, il y a eu des répercussions de cette conférence de 1958. Il est important de noter que c'est à cette époque que le Ghana a commencé à former des combattants de la liberté et à les envoyer dans ces différentes luttes. Il faut également noter qu'à l'époque a été établi le Bureau des Affaires africaines, qui est au centre du travail diplomatique et du soutien matériel pour la libération du continent africain. Donc,
C'est très important que de noter ces accomplissements obtenus grâce à cette conférence, mais il faut également mentionner que les luttes nationales n'ont pas été menées que par des Africains, mais on a également reçu le soutien du socialisme et de pays progressistes de par le monde. Et c'est dans ces discussions qu'il fallait souligner, par exemple, les forces cubaines qui ont combattu en Angola et qui ont vaincu les forces colonialistes de l'apartheid. Et ceci a vraiment permis de vaincre l'apartheid en Afrique du Sud, de consolider l'indépendance nationale de l'Angola et en Namibie. Et donc, il est très important de mentionner que même avant cela, M. Che Guevara était venu au Ghana pour aider à développer les systèmes qui permettaient d'amener des personnes en Afrique pour combattre le colonialisme. Je pense que l'une des questions les plus importantes que nous devons poser aujourd'hui, c'est si, oui ou non, les objectifs de 1945 de la conférence, mais également les objectifs de la conférence de 1957 et enfin les objectifs de la conférence de tous les Africains de 1958 ont été accomplis. Et moi, je peux vous répondre, non, clairement, on n'a pas atteint ces objectifs. Le continent africain dans son entièreté est dirigé par des régimes néocolonialistes qui écoutent plus le Fonds monétaire international et la Banque mondiale que leur propre peuple. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le continent africain aujourd'hui est parsemé de bases militaires étrangères. Vous le savez, par exemple, Djibouti possède des bases militaires du monde entier. Nous le savons tous. Nous le savons qu'au Ghana, par exemple, il y a une base de l'armée américaine. Nous le savons qu'en Zambie, il y a des forces africaines, des forces américaines, de l'Air Force. Donc, le mouvement socialiste ghanéen pour lequel je travaille a effectué des recherches quant aux bases militaires étrangères en Afrique et nous pourrons les partager avec vous. Mais je peux vous le dire, la situation est inquiétante. Je rappelle qu'entre 58 et 60, les fondateurs de notre lutte ont été clairs. L'Afrique ne devrait accepter aucune force militaire étrangère et que l'Afrique était capable de se défendre eux-mêmes. Et ils voulaient d'ailleurs dire clairement qu'ils voulaient un monde sans bombes. Et aujourd'hui, ces aspirations du peuple africain ont été jetées de côté. Sorry, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences étrangères. Pardon, Kwesi, il te reste 2 minutes. Je suis désolé, il te reste 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire simplement, c'est que ces bases militaires sont là pour s'assurer que nous n'avons pas le propre contrôle de nos ressources, que nos ressources ne peuvent être exploitées pour le bénéfice de nos peuples, mais également pour empêcher la solidarité internationale. Donc nous devons lutter contre les bases militaires en Afrique. Nous avons une responsabilité de faire une campagne pour construire un nouveau monde pour que des personnes... ce nouveau monde pour lequel ces personnes se sont battues en 1958, un nouveau monde dans lequel aucun enfant n'iront au lit en ayant faim, où des maladies n'auront pas de traitement, où l'accès au logement sera amélioré. Merci, camarade. Merci, Kwesi Pratt Junior. C'est un plaisir de t'écouter. Tout de suite, je vais donner la parole à Solly Mapaela, le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, dont on connaît la rigueur d'un point de vue méthodologique et de l'expression aussi. Donc, sans plus tarder, camarade Solly, je te donne la parole.
10. Merci beaucoup. J'ai combien de temps? 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Kwasi de s'être également exprimé. Merci à Félix. Merci à Kwasi. Merci à tous les autres camarades qui sont là. Et donc, je suis le secrétaire général du Parti communiste d'Afrique du Sud, Soli Mapaila. Merci beaucoup à tous les camarades, tous les amis. Merci à tous ces membres qui sont ici et qui travaillent pour nous libérer du colonialisme, du néocolonialisme et du capitalisme. Et merci d'être là pour cette journée de l'Afrique. On nous a demandé de partager notre avis sur la collaboration entre l'Afrique et l'Europe contre la mondialisation mondiale et également l'impérialisme. Cette réunion a donc lieu alors qu'il y a une dégradation environnementale, la pauvreté et qu'il y a une crise énergétique et également alimentaire. Le capitalisme en lui-même se trouve en crise également, peut-être la pire. Les théories marxistes peuvent nous aider à surmonter cette crise capitaliste. Et nous apprécions également les efforts de nos camarades de la gauche européenne pour toutes les initiatives qu'ils ont mises en place pour lutter contre le capitalisme. Comme vous le savez peut-être, aujourd'hui, c'est la journée de l'Afrique. Et je crois que nos camarades du Ghana vont nous en parler. Je ne vais pas entrer plus en détail, mais en tout cas, la formation de l'OAU a été surtout pour terminer le colonialisme et le néocolonialisme et l'apartheid, plus particulièrement dans le sud du continent africain. Pour le moment, nous sommes les témoins de situations difficiles en Afrique pour nos peuples. Nous voyons la résurgence d'idées belligérantes qui sont en train de ravager le continent avec de nombreuses guerres. Cela affecte notamment le continent, surtout en ce qui concerne la sécurité alimentaire, le coût élevé de la vie. Cela rend difficile pour les personnes qui vivent sur le continent de survivre au quotidien. Nous avons également vu une situation où le monde en lui-même est à un tournant. Il y a l'impérialisme américain. Il y a donc ce pouvoir américain avec son impérialisme qui est une plaie pour le continent africain. Et cela signifie une escalade de la guerre et qui empêche la prospérité pour tous. Nous espérons que l'Europe va pouvoir se reconnecter avec ses idéaux de paix. Nous avons vu par exemple la désintégration de certains systèmes. Et nous pensons qu'en Europe et aux États-Unis, on a un système qui n'est pas un système d'investissement. L'humanité doit être respectée autant que sa culture, qui doit être célébrée, ainsi que la diversité. Nous devrions rejeter cette imposition d'une conception universelle de l'humanité aux yeux avec le prisme de l'Europe et des États-Unis. Bien sûr, nous comprenons tout à fait qu'une partie de cette crise est constituée par
les nouvelles forces productives émergentes dans l'économie mondiale et que le monde capitaliste qui est mené par l'Europe et les États-Unis ne sont que les seconds couteaux pour des forces plus productives dans le monde, surtout de la Chine. Ces anciennes colonies, telles que la France, donc la France, le Portugal qui avaient d'anciennes colonies, mènent maintenant le monde avec des forces productives qui sont en train de se développer et qui sont de nouveaux pays que l'on contacte, avec qui on commerce. Bien sûr, le socialisme est une menace pour eux, surtout parce que le contrôle des instruments de production, qui n'est pas effectué par le secteur national, mais plutôt par donc les différentes entreprises, eh bien, c'est une menace pour ceci. C'est pour cela qu'on veut que ces moyens soient aux mains des peuples. Et c'est pour cela que nous nous battons également pour l'Ukraine et nous espérons que cette guerre en Ukraine va se terminer. Il y a donc une dévastation et nous appelons à ce qu'il y ait la paix. L'Europe et les États-Unis apparemment ne sont pas intéressés par la paix. Et Zelensky ne cherche pas non plus à obtenir la paix, il est intéressé par la guerre. Il va d'une capitale à une autre pour s'exprimer et pour avoir beaucoup plus d'armes pour continuer ce travail de dévastation. Le monde en particulier et la gauche européenne devraient continuer à se battre pour la paix. Et nous apprécions énormément les efforts qui ont été effectués dans le contexte de ce combat pour la paix dans différentes capitales en Europe. En même temps, nous entendons également qu'il y a des attaques énormes sur le système mondial, notamment avec l'unilatéralisme, pour sauver les intérêts de l'Europe et des États-Unis. On voit qu'il y a une architecture sécuritaire qui est également développée et qui donc se développe en exclusion de certains pays pour d'autres. L'Europe devrait comprendre que cette ère de commandement et de contrôle des pays africains ou des pays du Sud sont terminées. On voit par exemple les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont libérés petit à petit par rapport en 1945 et on a une situation où, par exemple, si vous le savez, la France joue un rôle très important sur le continent africain puisqu'il a colonisé plus de la moitié des pays du continent. Par conséquent, il est essentiel, surtout pour la France, pour le reste de l'Europe, de continuer à se battre contre ce nouveau colonialisme en France et dans les autres pays européens et qui continue à rendre les pays africains de plus en plus pauvres. Bien sûr, dans le contexte de ces développements existants dans le monde, nous avons mis en place un certain alignement, pas seulement sur les faiblesses d'ailleurs, car normalement nous devrions continuer dans le combat sur notre continent, mais la France et les États-Unis ont tellement de ressources, tellement de pouvoir que ce n'est pas véritablement possible et que cela cause la dévastation. Mais on continue de voir également d'autres choses encore pires sur le continent, comme par exemple au Soudan, au Mali, en Somalie, notamment en Mozambique. Tous ces conflits sont des conflits protégés qui créent une instabilité dans certaines régions, notamment en République démocratique du Congo également, et on voit une manifestation des intérêts des pays européens. Et ce que l'on voit également, on continue à voir les Nations Unies et surtout le Conseil de sécurité qui est devenu totalement inutile en termes d'intervention. C'est un instrument qui est utilisé par l'Europe et les États-Unis, notamment. Par conséquent, ces développements affectent l'unité africaine, le progrès africain également. Et c'est pour cela que le SLCP
le SACP, pardon, et d'autres congrès ont collaboré à ce développement du réseau, du forum de gauche, et nous apprécions vraiment l'aide de forces progressistes également du Parti de la gauche européenne pour nous aider, et nous apprécions la collaboration. Merci beaucoup. Merci pour les présentations du jour. Je dois m'arrêter là, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soli. Merci pour votre intervention. Je suis très heureuse car je vois que vous parlez d'un point de collaboration auquel nous pourrions arriver dans un avenir proche, du travail qui est fait. J'ai tout écrit, j'ai pris bonne note. Ces conversations sont très intéressantes. Merci à Soli Mapaila. Et maintenant, nous allons entendre Maria Teresa de Fara Santana. Désolée, je me suis trompée, alors, qui est membre de la commission politique et du conseil national du Parti du Bloc démocratique, le DB, en Angola. Merci beaucoup, Maria Teresa. La parole vous est donnée, c'est à vous. Bonjour, chers camarades, je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous voir ici, en ligne. Je crois que je ne vous connais pas, pour bon nombre d'entre vous, c'est la première fois que je vous vois, à part peut-être Kwasi, puisque nous avons travaillé il y a longtemps en Ghana. C'est un plaisir de rencontrer les autres, bien sûr. On m'a demandé du néocolonialisme, quelle grande tâche m'a été allouée, et on m'a demandé également de parler de la libération de la dictature. C'est donc des problèmes auxquels nous avons été confrontés. Alors, je vais essayer du moins de me concentrer sur la violence. En effet, il y a beaucoup de types de violences. Il y a la violence organisée, par exemple, qui a été organisée d'ailleurs par l'État. Si l'on voit la violence telle que la violence fasciste avec Mussolini et d'autres personnes, eh bien, on peut voir qu'il y a un nouvel type de fascisme qui a connu une renaissance, notamment dans mon pays en particulier. En effet, il y a une histoire assez spécifique, une histoire de colonisation, bien sûr, par un État fasciste il y a des décennies. C'était donc le fascisme des Portugais, puisque c'est eux qui nous ont colonisés, bien sûr. Ma langue maternelle est en fait le portugais. Je n'ai pas de langue nationale, puisque ma langue maternelle est le portugais. Également, la suppression des langues a eu lieu, la suppression de tous les droits, la suppression de toutes les libertés d'ailleurs, en Angola, qui était donc une colonie portugaise. Cela a été la tradition qui a formé une partie de notre histoire. Dans le siècle qui vient de s'écouler, on a vu beaucoup de combats en Angola qui s'est développé en un conflit armé, puisque c'était la seule manière de pouvoir vraiment pouvoir combattre le fascisme. La situation a été absolument terrible et l'Angola, dès le départ, a été une colonie. C'était une colonie Il y a une résistance, notamment au Portugal, et cette résistance était en fait envoyée en quelque sorte en pénitence en Angola. Ces personnes donc, qui arrivaient dans notre pays n'étaient pas bien acceptées. Notre colonisation a commencé. Il s'agit un petit peu de ce qui s'est passé en Australie. C'est ce type de violence
auquel mon peuple a été confronté. La colonisation physique a eu lieu avec la destruction de l'Empire du Congo, qui a été ensuite divisé en trois, en maintenant donc l'ancien Zaïre, le Congo-Brazzaville, qui était le Congo belge, le Congo français également, et également le Congo portugais, qui est actuellement l'Angola. Ce royaume donc, du Congo a été séparé entre différentes entités pendant la partition après la conférence de Berlin. Je voulais avancer un petit peu pour parler des différents points d'histoire, ce qui est important pour comprendre la violence que l'on peut observer ici, dans cette partie de l'Afrique, en Angola. Alors, la dictature au Portugal, bien sûr, ne pouvait pas être évitée. Et donc, au Portugal, en lui-même, il y a eu la résistance. Il y a eu donc un régime fasciste qui avait des connexions fortes avec des mouvements anticolonialistes. Et donc, il avait une relation entre la gauche et les mouvements de libération dans les colonies portugaises, qui étaient très importants, surtout avec le Parti communiste et également tous les partis socialistes progressifs au Portugal. Il y a donc eu un processus qui a aidé à la décolonisation. C'est seulement le 25 avril qu'il y a eu la révolution au Portugal, et ensuite, c'est pour cela qu'on a mis on a posé la fin et que cette indépendance a été gagnée en 1975, bien sûr, par la violence. L'indépendance a été proclamée, et pourtant, à quelques kilomètres de la capitale, on pouvait toujours entendre des bombes. On était toujours en train de combattre. Mais le gros problème, je dirais, surtout pour la gauche, est constitué par l'absence de complexité. Normalement, on examine les combats dans les colonies. Par exemple, on peut examiner qu'il y a tel ou tel mouvement. Et en fait, en Afrique, on n'a pas réussi à saisir la complexité du programme. Tout d'abord parce que nos pays ne sont pas seulement une seule entité. Le continent est fait d'éléments composites qui ont été arbitrairement associés. Nous n'avons pas pu nous développer de manière organique comme cela aurait pu être le cas. On nous a associés en tant que nation et nous avons progressé pour devenir des États avec la même structure qui avait été maintenue. Cette structure est un héritage du colonialisme, et cela a mené à plus de difficultés pour la solidarité et également des combats. Et il y avait aussi une difficulté à communiquer également. Si je souhaite aller au Ghana, je dois aller en Europe prendre un autre avion pour revenir au Ghana. C'est la façon dont les colonies ont défini notre monde. Après 70 ans d'indépendance, on ne peut toujours pas changer cette tendance. Et ça, c'est un problème qui est là. C'est un problème pour la gauche africaine et également pour la gauche internationale. L'Afrique joue un rôle important, cependant, dans le monde. Il n'y a pas un seul pouvoir ou super-pouvoir qui ne peut jouer un rôle sans s'appuyer sur l'Afrique.
Nous devons également comprendre l'importance et la place de pivot de l'Afrique pour renforcer les capacités pour toutes les nations qui souhaitent devenir un pays important. C'est le cas pour tous les pouvoirs que l'on voit autour de nous, les pouvoirs impérialistes notamment, et l'hégémonie aussi. Tous ces pays doivent s'appuyer sur l'Afrique. Ce n'est pas vraiment différent maintenant d'ailleurs. Lorsque l'on parle d'indépendance, eh bien, je dirais que la question de la colonisation devient cruciale. On peut se demander si on est vraiment décolonisé. Est-ce que la décolonisation est un acte ou un processus? En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un processus. Et c'est un processus qui est long. L'Afrique ne peut pas être décolonisée seulement en proclamant la décolonisation. Teresa, tu peux conclure, s'il te plaît? Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? Conclure. Je dois maintenant conclure. Je suis désolée, effectivement, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour m'exprimer dont je voulais parler. Mais en tout cas, alors, je ne savais pas combien de temps j'avais, en fait. J'ai combien ? Une minute, deux minutes ? Parce que si j'ai une minute ou j'ai deux minutes pour conclure ? Je voudrais savoir. Oui, tu as une minute pour conclure. Une minute. Très bien, alors je vais conclure. Parce que je n'ai pas vraiment parlé du point principal en Angola aujourd'hui, mais voilà. Ou alors de là où notre pays se trouve. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que, pour conclure, je voudrais pouvoir revenir. Parce que nous n'avons fait que commencer la conversation et à ce moment-là, je pourrais être vraiment capable de vous parler de différentes questions, surtout la violence en Afrique et à quel point cette violence est orchestrée et également organisée, pour être sûr que nous ne puissions pas nous organiser ensemble pour nous rencontrer non plus, pour pouvoir définir ce que nous souhaitons faire ensemble pour notre libération. En tout cas, je m'arrête là et je vous remercie. Merci Teresa, désolé d'avoir précipité ta conclusion, mais nous sommes tenus par les délais. Je vais introduire maintenant Guy Marusagna, qui est député et le secrétaire administratif du FRAP. Guy Marusagna, je le remercie particulièrement d'être présent aujourd'hui parce que son mouvement est soumis à une forte répression depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de ses camarades qui sont en prison. Je sais qu'il est très sollicité et aussi par son travail parlementaire. Donc, je lui dis merci d'avoir pris le temps de participer à ce panel. Guy-Marie, je te donne la parole. Tu as 10 minutes comme les autres. Tu es mon ami, mais il n'y aura pas de faveur. Bonjour Félix, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les amis et à tous les camarades. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est vrai, Félix, il y a déjà toutes les réunions de commission et de plénière pour l'Assemblée nationale, notamment tous ces jours-ci et demain. Et effectivement, il y a les camarades que nous devons visiter qui sont en garde à vue, certains qui ont déjà été arrêtés. Et aujourd'hui, nous devons recevoir, je suis au siège du FRAP, une dizaine de collectifs de Sénégalais pour entendre leurs problèmes et voir comment, avec eux, gérer leurs sollicitations. C'est pourquoi d'ailleurs, ça va être difficile pour moi de rester jusqu'au bout, mais je tenais quand même à être présent aujourd'hui pour discuter, pour échanger en ce jour de l'Afrique,
autour des préoccupations qui nous concernent tous. Alors, il m'a été demandé, moi, de pouvoir évoquer les enjeux écologiques et environnementaux face à l'impérialisme et l'extractivisme. Alors, la première chose d'abord que je voulais rappeler, qui pourrait nous servir de boussole, qui pourrait nous il y a un problème de connexion. On va attendre quelques minutes, le temps qu'il se reconnecte. Peut-être qu'il faut arrêter l'enregistrement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, on peut tout à fait continuer avec notre invité suivant. Pendant qu'on laisse le temps à Guillaume de se reconnecter, on peut continuer. Non, il est là, il est là. On va pouvoir continuer avec Aminata Traoré. Okay. Ah, il est revenu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je m'en excuse. Je disais donc que le capitalisme tend à détruire ces deux sources de richesse, la nature et les êtres humains. Aujourd'hui, il est peut-être moins question des êtres humains, ou peut-être les êtres humains en deuxième palier, les travailleurs et tout cela. Aujourd'hui, il sera surtout question de la nature. Eh bien, vous avez dû voir comme nous, il n'y a guère longtemps, que le Sénégal faisait partie des 6 pays dans lesquels 20% des poissons pêchés illicitement en fait étaient pris. Ce sont des recherches qui ont été en fait effectuées et qui montrent en fait cela. Et donc 20% de la pêche illicite au monde se faisant dans 6 pays qui sont tous africains, dont le Sénégal, cela en fait pose des problèmes, ce qui nous amène en fait à évoquer la problématique de la pêche en Afrique, particulièrement au Sénégal dont je suis. Et donc, la pêche ici en Afrique, avec les accords de pêche que nous avons signés, notamment avec l'Union européenne, pose des problèmes par rapport à l'écosystème marin, pose des problèmes par rapport à la rareté en fait des ressources. Assez régulièrement, au-delà en fait des bateaux de pêche européens, mais les bateaux de pêche chinois, russes, etc. Les pêcheurs africains en général et sénégalais en particulier se plaignent en fait du fait que aujourd'hui il y a en fait une rareté de la ressource halieutique. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que les Sénégalais puissent disposer des poissons, c'est un grand problème. Pour que les pêcheurs, ces travailleurs qu'on appelle en fait les pêcheurs, puissent avoir accès à la ressource halieutique, il faut qu'ils fassent de plus en plus en fait de kilomètres. Ainsi, aujourd'hui, de plus en plus, on voit les pêcheurs sénégalais qui sont sur lesquels en fait la police mauritanienne tire, parce que les 700 kilomètres de côte ici au Sénégal ne suffisent plus en fait. Les 200 000 kilomètres carrés marins ne suffisent plus aux pêcheurs en fait sénégalais. Ils sont obligés d'aller jusqu'en Mauritanie, jusqu'en Guinée-Bissau, où ils sont emprisonnés. Ils sont obligés d'aller jusqu'en Gambie et au-delà. Ils sont même obligés de se transformer en passeurs dans le cadre de ce qu'on appelle ici au Sénégal le Barça ou le Barça, c'est-à-dire l'émigration piroguière, l'émigration en fait irrégulière, parce que tout simplement aujourd'hui, il est devenu plus facile et beaucoup plus lucratif de se transformer en passeur d'êtres humains pour essayer de traverser l'Europe en fait forteresse plutôt que de pêcher. Donc voilà déjà un exemple
patent de l'impact, en fait, de l'impérialisme, du capitalisme, en fait, qui, à travers ces bateaux, viennent pomper les ressources halieutiques africaines, privant, en fait, les populations d'aliments riches en protides, mais ayant un impact surtout aussi sur la faune et la flore aquatique. Et donc, oui, la chose à faire, c'est de revoir, en fait, ces accords de pêche que nos pays, que nos bourgeoisies africaines, que ce soit la bureaucratie bureaucratique sénégalaise, bourgeoisie bureaucratique togolaise ou béninoise, en fait, dans les pays en fait côtiers, il faudrait qu'on puisse revoir ces accords de pêche, qui sont des accords de pêche léonins, qui sont des accords de pêche néocoloniaux, parce que tout simplement, nous pillant nos ressources, mais détruisant, comme je le disais tout à l'heure, la faune et la flore au niveau en fait, de nos pays. Lors du marathon budgétaire dernier ici à l'Assemblée nationale du Sénégal, j'avais interpellé le ministre de l'Environnement sur le nombre en fait de gardes forestiers, le nombre de personnel de l'environnement qui protège les environnements, l'environnement en fait ici au Sénégal. Et tenez-vous bien, il y avait en fait moins de 1000 agents forestiers pour surveiller l'environnement du Sénégal, pour surveiller en fait les forêts sénégalaises. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le capitalisme qui devient impérialiste quand il vient dans nos pays, à travers les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, à travers donc les dictats du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, contrôle en fait les budgets de nos États. Et bien entendu, la protection de l'environnement n'est pas une priorité pour le capitalisme, pour l'impérialisme, qui nous impose ces dictats, qui nous impose donc, qui contrôle notre budget, avec bien sûr la complicité de nos bourgeoisies bureaucratiques. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'argent pour recruter suffisamment en fait, de soldats de l'environnement, comme d'ailleurs, il n'y a pas suffisamment d'argent pour satisfaire les besoins des populations dans le domaine de la santé, comme dans le domaine en fait, de l'éducation. Et donc, oui, c'est pourquoi il ne faut pas en fait être étonné de voir que ces dernières années, la forêt sénégalaise a connu un très grand rétrécissement. Parce que tout simplement, l'État néocolonial du Sénégal n'a pas suffisamment de ressources en termes de soldats de l'environnement, mais en termes également en fait, de matériel pour protéger la faune et la flore sénégalaise des coupes de bois, des coupes d'arbres qui, aujourd'hui, font qu'il y a une avancée en fait, du désert ou en tout cas une très grande déforestation dans des zones comme la Casamance, qui était connue pour être une zone de végétation très touffue. L'exploitation du zircon pose également un grand problème en Afrique en général et au Sénégal en particulier. Ce zircon, qui est un minerai très important, est exploité en Casamance, donc à Niafran. On parle également aujourd'hui de plus en plus de l'exploitation du zircon dans une localité comme Abéné, c'est toujours à Ziguinchor en Casamance, mais également au niveau en fait, de la zone qui se trouve près du désert de Lompoule. Et donc, on a la société Eramet et des Australiens au sud qui exploitent en fait le zircon. Et dans cette exploitation, la particularité de l'exploitation du zircon, c'est que
Si l'exploitation n'est pas faite en fait correctement, ce qui se passe, c'est que après avoir exploité le zircon, tout ce que le sol devient en fait définitivement stérile. Tout ce que vous plantez en fait sur le sol qui a été exploité, le sol où il y a du zircon et qui a été exploité, bah, plus rien ne pousse là-bas. Au-delà en fait de l'impact sur les populations, il y a un impact environnemental en fait certain. Les politiques néolibérales d'inspiration néolibérale qui nous ont été imposées par les FMI et la Banque mondiale, j'insiste toujours encore avec la complicité de la bourgeoisie bureaucratique au pouvoir au Sénégal depuis des années. Ces politiques-là appauvrissent les populations. Ces politiques-là appauvrissent les populations. Je ne donne qu'un exemple. Quand, en fait, vous acceptez des accords qui facilitent, en fait, les importations, quand vous avez, en plus, une monnaie, le franc CFA, une monnaie néocoloniale qui facilite les importations, eh bien, ces importations-là concurrencent dramatiquement en fait les producteurs en fait locaux. Alors ce qui se passe, c'est que les paysans produisent moins, et quand ils produisent, ils ont du mal à vendre parce qu'il faut faire face à la concurrence. Pour avoir une idée de cette concurrence, juste un chiffre: chaque année le Sénégal importe pour 160 milliards de francs CFA de blé. Et bien sûr, le Sénégal ne produit pas de blé. Ce blé-là provient des pays occidentaux. Et donc, en important pour 160 milliards de francs CFA de blé, bah, ça veut dire qu'on pousse les Sénégalais à se détourner du mil, du maïs, du sorgho, qui sont des céréales en fait locales, qui sont même meilleures en termes alimentaires, meilleur que le blé, mais on se détourne de ces céréales locales et donc on prive nos paysans de 160 milliards de francs CFA de revenus. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que... Tu peux conclure en même temps, hein, s'il te plaît. Les éleveurs et les paysans sont obligés, eux aussi, de couper, en fait, de couper les arbres pour faire du charbon. D'accord, pour faire du charbon, histoire de pouvoir survivre, histoire d'avoir des ressources en fait supplémentaires pour pouvoir faire face à leurs dépenses. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'instruction, en guise d'introduction plutôt, par rapport au thème qui, je le rappelle, était les enjeux écologiques et environnementaux face à l'impérialisme et à l'extractivisme. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, nous sommes d'accord. Nous avons tous besoin de plus de temps pour discuter, pour s'organiser. Là, nous allons donner la parole à notre panéliste suivant, Aminata Traoré, qui est ancienne ministre de la Culture du Mali. Donc, bienvenue, Aminata, vous avez la parole. Je suis désolé d'être un peu en retard, de prendre le train en marche. Et je ne vous cache pas que j'ai quelques problèmes. Il y a une coupure d'électricité. Félix sait ce que cela veut dire ici. Il connaît l'environnement. Pour faire vite, je crois que moi, je vais m'apesantir sur la guerre. La guerre dans un pays enclavé, sahélien. Il n'y a pas que le Mali, il y a le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Et la tendance aujourd'hui du discours dominant est à faire de cette région de l'Afrique une menace pour la sécurité globale. Alors moi, je me bats contre ce narratif délibérément biaisé, parce qu'il est de la guerre au Mali comme de toutes les autres interventions militaires des puissances occidentales, et ça repose sur un mensonge d'État, un mensonge éhonté
et sur du terrorisme d'État. On vous oblige à admettre un récit et on vous place dans une situation qui vous oblige à investir dans l'achat d'armement pour vous défendre, pour préserver une sécurité mise en péril par l'impérialisme et le système capitaliste. Malheureusement, je reste sur ma faim quant à les prises de position claires et des élites africaines sur le capitalisme. J'ai l'impression que si on remonte à la création de l'OUIA, et l'organisation panafricaine a 60 ans, mais je crois qu'elle porte encore les tares, la tare congénitale du départ, qui était ce clivage entre les blocs de Morovia et de Casablanca, et bien sûr, l'aile libérale l'a emporté, et le temps a donné raison à la gauche, je ne peux pas dire à toute la gauche, parce que ce que je constate ici, c'est la gauche qui est militariste dans le cas du Mali. Le camarade François Hollande est arrivé ici en nous promettant une guerre rapide contre le terrorisme à 6 mois, hein, de même qu'il n'a pas réussi à fléchir la courbe du chômage en France. Et il est parti d'ici et en déclarant que la guerre était gagnée. Elle ne l'était pas. Elle ne l'a pas été. Au bout de 10 ans, et les mêmes socialistes, et avec la droite, l'extrême droite, toute la France, est politique, qui ne veut pas assumer la lourde responsabilité de l'échec de leur intervention militaire, voudrait que toute la faute incombe à nos pays, plus particulièrement au Mali. Dans le cas du Mali, entre-temps, la guerre en Ukraine est passée par là. Donc, dès le départ, le dessein n'était pas de libérer le Mali. Le dessein n'est pas de protéger les civils maliens. Parce que je me suis toujours posé la question de savoir comment des nations industrialisées, je prends seulement l'Europe dont l'Afrique est l'arrière-cour, on ne peut pas dire ça comme ça. Quand je considère que depuis 2 ou 3 décennies, il y a une guerre sans merci livrée aux migrants et que les premiers migrants ciblés par l'immigration choisie et même les politiques qui sont en train d'être concoctées aujourd'hui, parmi les premiers migrants figurent les Maliens et les Sahéliens. Ces gens ne partent pas parce qu'ils ont envie de partir. Et on sait dans le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso, que les grandes sécheresses des années 70 et 80 ont mis en péril le système productif, la solidarité entre les gens. Les gens ont commencé à partir déjà. Alors si vous ajoutez à ça les programmes d'ajustement structurel de cette même décennie 80, et vous comprenez pourquoi, à l'heure du bilan, les gens n'ont pas, tout simplement pas les moyens de vivre, même s'ils le voulaient, décemment et dans leur pays. En tout cas, c'est pratiquement vrai. Et pour toute la bande sahélienne, quand on regarde la carte et des attaques, on se rend compte que c'est justement les zones les plus exposées et à la désertification qui sont aujourd'hui à la fois des zones de départ et des zones qui sont et où les attaques dites djihadistes se multiplient. Donc nous, et ce que moi je me dois à partir d'ici aujourd'hui et à l'occasion de cette journée de la libération de l'Afrique, de témoigner et de faire savoir et au peuple frère de l'Afrique de l'Ouest, à qui on laisse entendre que leur problème, le problème, c'est le Mali, que le Mali est l'épicentre du djihadisme et que c'est le Mali qu'il faut, c'est au Mali qu'il faut venir régler ce problème. Donc, fort de cela, et non seulement Barkhane est un échec,
Et la MINUSMA, c'est-à-dire la mission des casques bleus, est un échec tout aussi lamentable. Elles sont venues ensemble, la force Barkhane et la MINUSMA sont venues ensemble dans le cadre d'une guerre qui ne devait pas être longue, qui devait, d'une part, mettre un terme au djihadisme et sécuriser le Mali, faire de telle sorte que le développement puisse et être relancé. Et on est loin du compte, on est loin de tout cela. On est loin de tout cela, mais la France et ses alliés occidentaux restent droits dans leurs bottes. Et maintenant, l'argument qu'ils ont trouvé, c'est l'argument Poutine. La poutinophobie fait que tout ce qui se passe ici, et surtout que et l'Assemblée, ils ont décidé de faire de Wagner, disons, un mouvement terroriste. Donc, le Mali est classé aujourd'hui et considéré doublement comme une menace, à la fois le fait djihadiste, mais le fait aussi que le recours à la coopération russe, même si Wagner n'est pas considéré comme une branche de l'armée et de la Russie, le problème, ce qui ne passe pas du tout, c'est plus aujourd'hui et la Russie que le djihadisme. Donc, en fait, depuis le départ, nous sommes divertis. Nous sommes divertis parce qu'il n'y avait pas une guerre de libération du Mali et des attaques djihadistes. Il y a toujours eu la volonté politique de l'ancienne puissance coloniale de reconquérir ses anciennes colonies, parce, d'autant plus qu'elle est en perte de vitesse. Elle est en perte de vitesse, elle perd des parts considérables de son marché en Afrique, qui est son point d'appui dans la course aux ressources de la planète. Donc, pour faire court, moi, mon combat aujourd'hui consiste à insister davantage sur ce que nous nous sommes toujours dit dans le cadre du mouvement altermondialiste, qu'il n'y a pas de solution autre qu'un changement de paradigme économique. Un changement de paradigme économique peut mettre l'Afrique aujourd'hui à l'abri et de bien des souffrances, de bien des crises. La crise sanitaire elle-même qui a secoué et la crise du COVID, qui a mis à nu les limites de ce système, la crise énergétique qui bat son plein maintenant avec la guerre en Ukraine et tout ce qu'on sait, cette volonté de revenir en force et de chasser en meute et en Afrique, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas de respect pour nous. Surtout l'Afrique subsaharienne, les peuples noirs, et les morts, les 20 000 morts ici, 20 000 morts, 2 millions de déplacés, de réfugiés. Et ces gens-là continuent d'exiger de nous d'abord d'aller faire des élections, aller aux élections, et vous avez surtout des réformes politiques institutionnelles à faire, et tout ira et pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme si des élections suffisaient pour être une garantie de la sécurité, comme si les élections dont il s'agit ne consistent pas à porter au pouvoir le personnel politique dont le système capitaliste a besoin. Donc moi je dis et j'insiste sur le fait que la responsabilité des élites aujourd'hui au pouvoir, c'est qu'ils ont mordu à l'hameçon de la mondialisation. Ils veulent être en poste pour pouvoir s'enrichir rapidement et en toute impunité. C'est ça la véritable plaie. Si nous devons actualiser le débat sur l'Afrique, sur la libération de l'Afrique, dans le contexte aujourd'hui, 60 ans après, nous devons dire quel développement, dans quoi on nous a embarqués depuis les années 60, est-ce que c'est du développement, dans quoi on nous a embarqués à la boule, est-ce que c'est la démocratie, quand on voit que la version française de la même démocratie ouvre et crée aujourd'hui la situation et la crise extrêmement grave autour de la réforme des retraites en France. En fait, c'est la même histoire, c'est le même rouleau compresseur, et j'invite vraiment l'ensemble de la gauche et les frères et les sœurs militants de la gauche à ouvrir grandement les yeux et à cesser de regarder un pays comme le Mali de haut en se pinçant le nez en disant que voilà, et c'est une junte qui est au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Mais on ne nous a pas donné la chance d'avoir une démocratie parce que le système néolibéral veut des États et à la solde des multinationales et au détriment des peuples. Je vous remercie. Merci Aminata.
Merci Aminata d'avoir respecté les timings. Je n'ai même pas eu besoin de te faire signe. J'ai senti que tu allais me dire, alors j'ai dit j'arrête. Ah, d'accord, c'est gentil. Merci. D'accord, maintenant je vais donner la parole à la plus jeune d'entre nous, apparemment, je crois bien, si je ne me trompe pas, Ashlyn Ajambo, la secrétaire chargée des questions idéologiques et des affaires internationales du Parti communiste du Kenya. C'est une jeune et féministe qui se bat dans le domaine de la lutte féministe et aussi des luttes pour la jeunesse. Vous avez 10 minutes comme les autres. Je vous laisse la parole. Je vous dis que nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Merci beaucoup, camarade. Bonjour, camarade. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je suis très heureuse d'avoir entendu les camarades précédentes, Maïté, Aminata, qui nous ont vraiment donné des choses très intéressantes en parlant de la politique qui a été mise en place, de l'impérialisme et de tous ces éléments que nous observons dans le continent. Je vais commencer en disant que ce jour de la libération africaine est une opportunité pour nous de célébrer les succès que nous avons obtenus en tant que peuple uni, pas simplement depuis le continent africain, mais depuis le monde entier, et de nous engager à nouveau à lutter pour atteindre la libération totale de la classe ouvrière. Ceci nous permet également de nous rappeler que, bien que nous ayons obtenu l'indépendance pour les Africains dans nos pays, la majorité de ces pays sont toujours sous l'égide des capitaux étrangers de la plupart des pays impérialistes. Et nous le savons, l'impérialisme est la manifestation est plutôt l'ennemi principal du continent africain. Donc, cette journée est une possibilité pour nous de réfléchir et redéfinir le panafricanisme, parce que pendant longtemps, cette idéologie a été l'objectif, mais vous le savez, le vrai outil qui nous permettra de libérer le peuple, c'est le socialisme. Donc j'aimerais parler de la jeunesse, de l'émancipation des femmes. Je vais commencer en parlant du caractère de classe des femmes et des jeunes. Laissez-moi utiliser le contexte kényan, que je connais bien. La société kényane est composée de 0,1% de minorités riches, tandis que la masse de 99,9% sont des personnes en difficulté pauvres. Donc on ne peut pas envisager les jeunes et la femme comme un monolithe, mais plutôt comme un groupe hétérogène, pardon. Mais nous devons être clairs, les jeunes et les femmes sont quand même une population homogène dans certaines strates, mais il y a des strates de classe au sein de la jeunesse et des femmes. Donc une victoire pour un jeune riche n'est pas une victoire pour un jeune pauvre. Et au contraire, une victoire pour toute femme n'est pas une victoire pour toutes les femmes du pays. Donc ce qu'on essaye de dire, c'est que le marxisme a montré que les femmes et les hommes et les jeunes sont conditionnés par leurs conditions sociales. Ainsi, les intérêts de ces minorités de 0,1% sont antagonistes des intérêts des 99,9 autres pourcents de jeunes et de femmes. Donc, vous comprendrez que les premiers veulent garder les privilèges des riches, c'est-à-dire l'accumulation des ressources.
alors que les autres, c'est-à-dire la majorité des femmes et des jeunes, c'est-à-dire la masse pauvre, ne peut compter que sur son travail qu'elle vend pour survivre. Ainsi, nous ne pouvons dire que les intérêts des jeunes et des femmes sont uniques parce qu'il y a différentes classes. Ainsi, il est grand temps que les jeunes et les femmes identifient leurs intérêts, les intérêts de leur propre classe. Mais s'ils continuent à mélanger leurs intérêts avec les intérêts des riches, alors ils sont leurs propres ennemis. Je vais revenir maintenant à la question de la jeunesse. En essayant de parler des jeunes en politique au Kenya, vous voyez qu'au Kenya, le programme de la jeunesse a dominé le domaine politique, en particulier durant les périodes de campagne pour les élections. Par ailleurs, il y a des crises systémiques vraiment dans notre système décadent. Et ceci n'est pas limité aux périodes d'élection, mais même aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Kenya, dans le projet de loi 2023, le point de la jeunesse est le point le plus débattu dans le pays. Donc, c'est vraiment très fortement lié à la politique du pays. Donc, la jeunesse a été habituée à être utilisée comme statistique d'élection, comme outil pour faire pencher la balance des résultats économiques dans le sens des élites politiques. Ainsi, la démocratisation de l'Afrique grâce à des politiques qui renforcent les procédures démocratiques et les institutions, le constitutionnalisme et l'état de droit, en s'appuyant sur le fait que seules les démocraties peuvent mener à la stabilité et à la bonne gouvernance, est quelque chose qui est de plus en plus une menace. Pourquoi ? Parce que lors des élections bourgeoises, nous sommes retrouvés avec une lutte d'idéologie et on se retrouve avec la jeunesse qui n'est finalement qu'un outil, une marchandise. Tous les 5 ans, on change pour un autre régime oppressif, donc on fait qu'un recyclage des dirigeants en espérant de nouveaux résultats. Donc, il faut savoir que la politique kenyane ou africaine doit apporter le changement pour ces personnes qui sont désespérées. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est grand temps que la jeunesse s'oppose à ces conventions, à ce type de politique qui récompense finalement les jeunes des strates les plus riches plutôt que la jeunesse la plus pauvre. Il est également important de reconnaître que le marxisme signifie beaucoup de préjugés au Kenya. On dit toujours que le marxisme est violent, divise. Donc, finalement, les jeunes s'accrochent à des faux espoirs, à des fausses promesses, en se disant que juste cette élection est ce qui pourra amener le changement. Les émanciper de leurs conditions difficiles et des problèmes socio-économiques qu'ils connaissent. Mais nous savons que c'est le marxisme qui a montré la vraie nature exploitante et oppressante du système. Et donc, il faut reconnaître qu'on ne peut pas se sortir par des législations du capitalisme. Il faut aller par la voie de la révolution pour répondre aux besoins de l'humanité. Et donc, j'aimerais également parler des femmes. Il faut reconnaître que le capitalisme est un allié du
de la patriarchie. Et donc, c'est une réalité. La pression des femmes est quelque chose qui se passe dans toutes les classes, pas simplement les femmes de la classe ouvrière pauvre. L'hégémonie de l'homme, la suprématie des hommes, est une des formes les plus anciennes de domination. La politique a toujours été masculine. Quand on parle de politique internationale, de guerre, etc., ça reste un domaine de l'homme. Mais je pense que grâce à cette conférence internationale et la déclaration universelle féministe, l'égalité des genres a été mise sur la table et on peut observer une transition dans la façon dont sont vues les femmes. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas changé les conditions réelles des femmes de la classe ouvrière pauvre. Quoi qu'il en soit, le mouvement marxiste et son idéologie a été capable de mettre en avant, de se battre pour des droits pour les femmes, en se disant que l'oppression des femmes ne peut pas fonctionner, ne peut pas être éradiquée dans le capitalisme. Tant que le capitalisme sera là, la libération de la femme ne sera pas possible. Donc, pour qu'on arrive à un changement, donc pour atteindre un changement, je sais qu'aujourd'hui, on essaye de construire la solidarité internationale. Donc, en conclusion, je dirais que les luttes de la jeunesse et des femmes doivent aller main dans la main avec notre approche d'une nouvelle société. Et l'une des choses de base qu'on devrait retirer de tout ça, c'est que pour construire cette solidarité internationale, il faut mettre en place un système d'éducation politique et idéologique. C'est vraiment le centre de notre stratégie. Merci. Thank you so much, Ashley. Nora, s'il te plaît, je dois faire une petite proposition parce que comme toi, tu as 5 minutes et moi 5 minutes pour conclure, j'aimerais donner 3 minutes de mon temps de parole à Teresa qui avait été un peu interrompue dans son speech. Donc, si en 3 minutes, elle peut expliquer ce qui se passe en Angola et ensuite, Nora, tu pourras conclure et moi, je conclurai en 2 minutes. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas pu parler du problème principal. En tout cas, il y a une compréhension commune que le mouvement qui vient des problèmes de libération et des combats donc de libération vient de la gauche. Et ça, c'est l'un des gros problèmes contre lesquels il faut lutter parce que les impérialistes sont en fait félicités notamment pour le rôle qu'ils jouent ce qu'ils ont joué sur la route de l'indépendance, mais ça prend du temps pour expliquer le problème. L'impérialisme, c'est un système fasciste. On a une autocratie ici en Angola. C'est encore peut-être pire que le fascisme colonial. Nous devons donc faire attention. Nous analysons donc la situation. Je viens du Parti démocratique. Et c'est un parti qui existe depuis 10 ans. Et c'est en fait, il faisait auparavant partie de l'organisation communiste angolaise. Voilà donc d'où nous venons. C'est important de le savoir. En Angola, la gauche a été complètement éradiquée et c'est ce que je souhaitais ajouter. Merci beaucoup. Merci, Teresa. Je pense qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps, tous.
tous et toutes, puisqu'on a entendu de nombreux témoignages et également beaucoup de propositions. Ce sont les propositions qui nous permettraient éventuellement de travailler en commun. Alors, je ne sais pas, on va pouvoir conclure. Même si, comme Maria Teresa l'a dit, c'est la première fois que nous nous voyons les uns et les autres, j'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous savons qu'il y a des défis communs qui nous inquiètent et nous devons également essayer de résoudre certains problèmes, comme par exemple l'absence de complexité avec laquelle on voit le monde. Également, nous devons penser ensemble au concept de sécurité. C'est exactement ce qui a été dit. Il faut lutter contre ces bases militaires étrangères dans certains pays, puisque c'est aussi pour cela que le néocolonialisme existe encore. Je pense que nous avons beaucoup en commun dans nos analyses, également beaucoup d'opportunités de pouvoir travailler ensemble. Et également, de notre point de vue, nous devons apprendre ce qui se passe en Afrique et aussi savoir comment on pourrait aider dans les combats communs. Je pense que ce forum est très intéressant et je pense que nous devons organiser bien plus de discussions. Cela a été très enrichissant de vous parler à tous et je voulais également espérer que cela ne sera que la première réunion pour jeter des ponts entre nous. Félix, je vous donne 3 minutes de mon temps, comme promis, c'est à vous. Vous pouvez vous exprimer, Félix, pour conclure. Merci, Nora. En fait, on ne s'est pas trop bien compris. C'est moi qui donnais mes 3 minutes à Teresa. Ce que je vais dire rapidement, c'est d'abord te remercier, toi, Nora, pour le travail fantastique que tu as fait pour que on puisse tenir aujourd'hui ce webinaire qui sera demain en ligne. Vraiment merci pour le bon travail que tu as fait en collaboration bien évidemment avec Pierre et avec Sylvia. Bien évidemment, on remercie Maïté sous la supervision de laquelle tout ce travail a été enclenché. J'ai été très heureux, vraiment très heureux de rencontrer les camarades ici présents qui ont participé à ce panel, notamment le Ghana, Teresa d'Angola. Ça fait plaisir. On pourra ensuite échanger nos mails et se tenir informés les uns les autres. Merci à Chrissy Pratt Junior, merci à Solima Paella qui nous ont éclairé l'un sur le panafricanisme et aussi son historique. Solima Paella, bien évidemment, avec sa rigueur intellectuelle et sa capacité d'analyse sur les problématiques de gauche. Je remercie tout le monde, Ashlyn, notre jeune camarade du Kenya. Merci à tous. Tout ce que je voudrais ajouter comme point de vue politique sur le sujet, c'est que dans de nombreux pays africains, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle la médiane de la population, c'est-à-dire l'âge qui divise la population en 2 à 50%. Dans des pays tels que le Sénégal, c'est à 18,5%, au Mali, c'est 17%. Donc, c'est des populations extrêmement jeunes. Or, nous avons un système capitaliste qui met en place des économies qui ne créent pas suffisamment de moyens et d'emplois pour ces jeunes qui arrivent toutes les années sur le marché du travail. Donc, c'est une cocotte minute. Le système capitaliste, ou soit on arrive à le faire changer de paradigme pour qu'il fasse, qu'on mette en place des véritables politiques de développement humain, ou bien on va vers la catastrophe. Donc, voilà ce que moi, je voudrais, par ce mot, je voudrais finir en disant qu'il nous faut travailler les uns et les autres pour que nous changeons de paradigme. Voilà, merci à tous et à toutes.
Aminata, merci beaucoup. Je sais que Aminata a eu aujourd'hui un programme très chargé, mais elle a tenu à être présente et faire sa présentation. Guy Marit aussi, merci beaucoup. Merci à tous. À Molly, qui, je suppose, aidait. Et bien évidemment, il ne faudrait pas que j'oublie, il ne faudrait pas que je fasse cette faute-là. Je remercie les interprètes sans lesquels on n'aurait pas pu se comprendre, puisque les uns parlent anglais et les autres français. Merci à tous et à toutes.